see my nigga use a hoe. Remember them Cheerios? Yeah. Ninja Turtles on my grandma's floor, I'm like, for sure. Donatello. Catch you on a rebound, you bound to drizzle. Grave lounge where you sit down. What goes around comes a resound. The sky's up and hell is low. Keep your mouth shut. What's a rip at it? Won't tell no more. Money, weed, and bitches. Hanging with snitches. Shit, it wasn't my intention. Bitch ass nigga. Fuck your ass coming from? What's a real nigga addiction? Money, weed, and bitches. Hanging with snitches, shit, it wasn't my intention. Bitch ass nigga. Who the fuck you on the phone with? Started around the bottom, ended up at the top. Heard you was in some trouble, I unretired my Glock. Did what I did, who would've knew you was the cops? Talking all on the phone to your homie about a plot. Got me up in the box, thought that you was my nigga. You got your sentence reduced, cause you told him I pulled the trigger. And I was looking out for you, tried to show him just how we do. Put all my shit aside, now I'm through. Figured that I would keep it creepy, this what this real nigga get me. Locked up for like a century, while you got chances of a Bentley. Fuck my old bitches, why I beat my dick plenty. My shooting finger itchy, but I hope somebody get him. But probably not, probably. Shit, I ain't sweating it. Cuz got me hot, got me hot. Gotta get his ass popped, Can't get over how we was tough as leather, man. We did everything together. Everything fuck, together, our first bitches earned, our first cheddar. Rob, the first nigga was down for whatever. And I'm glad still forever. Still forever. If we had to, had to. But what's it's a awful real nigga addiction? Money, weed, and bitches. Hanging with snitches, shit, it wasn't my intention. Bitch ass nigga. Fuck your ass coming from? What's a real nigga addiction? Money, weed, and bitches. Hanging with snitches, shit, it wasn't my intention. Bitch ass nigga. Who the fuck you on the phone with? Started around the bottom. Started around the bottom. Ended up at the top. Started around the bottom. Ended up
shake it down with us. You'll smoke a pound with us. Shoot another round with us. Welcome to pounce with us. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. Get 'em up, get 'em up, get 'em up now. The winner by knockout, the 17-time world champion, the veteran of the stage, the one and only, the Kush Down.
Et re. Ça va? Ah ouais. Alors ça donne quoi? Bah je pêche. Je ramasse et je jette les merdouilles et je garde que les pépites. D'ailleurs j'avais posé des pépites là. Non, je vais les ouvrir, je sais pas. Tac. J'étais chat. Je n'ai plus rien à secouer, ça dégage. Tu fais quoi? Ah putain, j'avais pas vu le message sur Twitch. Je m'étais à moitié endormi devant l'écran. Mais en vrai, je suis en train de farmer, mais je sais même pas pourquoi en vrai, parce que... J'ai bien l'impression que pas trop, je crois, mais... Bah à mon avis, t'as bien niqué toutes les pépites, hein? Oh non, j'en ai pas beaucoup. Je me suis à moitié endormi sur place. Je crois que j'en ai 35, j'ai même pas fait gaffe, 35 dans le cadeau, je crois. 35? Ouais. Ah ouais, non, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 35. Bah, $7,000, mais ça va. C'est que dalle, c'est de la merde. C'est que dalle. Bah, c'est toujours ça, hein. Ah oui, je crache pas dessus, c'est sûr, mais c'est rien. Et le reste, je garde pas, je jette. Je vais remplir le camion de pépites, là. Oh, je prends tout, moi. Non, j'ai voulu faire ça tout à l'heure. Ça rapporte que dalle, les bouteilles. Je les vends, ouais. Waouh, 600 bouteilles, waouh. J'ai gagné 2000, même pas 2000 balles. Waouh, si, 2000... $3 la bouteille. Ouais, c'est ça. Non, si, j'avais gagné $1,992, waouh. Vas-y, je les jette dans la... Je les jette, j'aurais pas le droit. Dans la bouteille, là. C'est bon. Le tissu, pareil, le ressort, pareil. Je garde rien à part les pépites. Parce que quand je vois tout ce qu'on a sorti comme moteur et comme machin, et le peu... Et en fait, il a fait aucun kit. Je me demande où est-ce que c'est parti, en fait. Mais moi après je pense à celui du pawn shop, tu vois. Ouais, mais il peut pas acheter. Je sais pas. Mais il va pas acheter des trucs que personne vient acheter. L'or encore ça va parce qu'il peut en faire quelque chose. Putain. Mais... T'as encore un client. Palmer, j'écoute. Oui. Bien et vous? Va te faire foutre, j'avais pas reconnu, connard. De l'orpaillage. Ouais, va te faire foutre. Ouais, t'as vu ça un peu. Ouais. Bah, je fais de l'orpaillage. Ouais. Des bisous, salut. Oh, t'es nul, hein. De quoi? Parce qu'il s'est pas raccroché, donc je lui dis que là, t'es nul. De quoi? J'ai rien compris. Je crois que ça te faisait du bien d'avoir du repos. Ouais. Bah oui, mais bon.
Ça, je peux pas le dire. Hein. Je sais pas ce que à quoi tu penses, donc je peux pas te dire si c'est ça ou pas, tu vois. Mais voilà, il est peut-être fatigué ou il est peut-être tombé malade ou voilà. Ah bah y'a NHK qui m'appelle. Je suis en train de ramasser de l'or, je peux pas répondre. Si tu peux. Ah ouais? Ah ouais. Allô? Oui. Tu fais ouais. Je ramasse de l'or là. Tu ramasses de l'or? Ouais. Mais c'est quoi l'histoire avec le garage? Bah il est fermé. On peut pas réparer, on peut rien faire. On peut faire que les customs, c'est tout. Ah mais les customs, tu pourras quand même faire. Ouais, mais au pire, je t'en ferai un peut-être à toi, tu vois, mais je ferai pas à tout le monde, tu vois. Pas que ça va faire. Oui, oui, c'est ça pour mon véhicule de service, si je viens pour un custom. Ah bah si c'est pour vos véhicules de service, ouais, là par contre, je l'ai fait. C'est pour ça que je viendrai, sinon. Ok. Non, mais tu dis à ton capitaine, non, mais dis à ton capitaine que le garage, il est fermé. Mais si c'est pour les véhicules de l'État, j'aurais pas le choix, ça je les ferai. Ouais. Mais c'est quoi l'histoire du coup, explique-moi. J'ai pas de nouvelles, j'ai rien, je sais pas. Tout ce que je sais c'est que... Bah on a plus de ressources, on en a pas de quoi... En fait j'ai toutes les ressources dans le garage pour fabriquer les kits de réparation. Mais j'ai pas accès ni à la pièce où est-ce qu'on les fabrique en fait. J'ai pas le Graal, tu vois. J'ai pas le... Tu comprends? Et j'ai zéro nouvelle de rien en fait. On m'a dit, bah écoute, ferme mon verre à demain, donc voilà. C'est... Ma cache, Walou, la compta à la dépub, enfin, il y a toujours le dossier de compta, mais tout à dépub dessus. Ah ouais, chelou. Alors je sais pas, hein, je suis dans le vide là. Tu te fais pas chier à récolter de l'or tout seul là? Non, c'est cool, on discute plus tard. On discute? Mais t'es pas tout seul du coup? Bah non, mais je suis avec Jess. Ah t'es avec Miss? Ouais. Ok. Tranquille. Ça va, ça s'amuse. Écoute, moi,
Moi, j'ai fait des patrouilles de baiser, j'ai arrêté trois suspects. Ah oui, quand même. J'attends toujours que le effectif soit présent pour prendre mon putain de véhicule. Yes. Il est présent, hein, mais il a que des rendez-vous, donc. En plus, il n'y a que lui qui a accès, donc je suis en train d'attendre. Et puis, une fois que j'aurai fini d'attendre et qu'il m'aura passé ça, ben, je viendrai vous rejoindre. Je pense, si personne ne patrouille. Je sais pas, je sais pas bien. Oui. Je sais pas. Et du coup, j'ai la mémoire courte. Elle m'a demandé quoi, Jess, en me donnant son numéro. Hein? Jess, quand elle m'a donné son numéro, elle m'a dit quoi en me donnant son numéro? Parce que j'ai la mémoire courte. J'ai déjà. Je sais pas pourquoi elle a pris son numéro, je demande lui. Bon, bah nickel, je demande lui à Jess, je sais pas, je sais pas. Mais c'était pour savoir s'il payait les véhicules ou pas. Ah, c'était pour les véhicules. Pour savoir si vous payez des véhicules. Ah ouais ouais ouais. Oui. C'est pour aller faire une. Pour aller faire un. Pour aller. Ouais, enfin bref, t'as compris. Il est en train d'en discuter avec le gouverneur, j'allais voir ça. Ah il est avec le gouverneur. Ouais, ok. Ah ouais, bah ça fait approximativement. 3 heures ouais, qu'il est avec le gouverneur. Ouais, ça fait 3 heures qu'il est en train de leur retourner le crâne, bah à mon avis il va y arriver. Hein. Oh, je parie que non. Mais si. C'est une tête de mine, hein, tu sais. Bon, je sais pas. Moi, je pense qu'il est pas si bête que ça, le chevache. Hein. Il y a moyen qu'il arrive à négocier le fait que. Enfin, à faire ouvrir les yeux au gouverneur qu'il faut qu'il paye les véhicules de l'État, quoi. Parce que c'est un peu son état, au mec. Oui. Un putain. On verra ça. Vas-y, je te rappelle pour te. C'est un point. Ouais, vas-y. Bien. Excellent. Et du coup, apparemment, le chef de la police, il est avec le gouverneur. Ah ouais? Ouais. Bah forcément, hein. Ouais, bah ça fait 3 heures. Ah bah oui, bah deux qui parlent dans le vide pour rien, ouais, bah c'est sûr que c'est un dialogue de sourds. Ah bah ah, franchement, tu peux pas bien décrire le gouverneur. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai discuté avec lui les deux... C'est la fois où je l'ai vu, enfin... Oh là là. J'ai pas supporté. Non, c'est moi. Bon, il est comme ça, écoute. Ouais. Bon. Ah pour le coup, j'ai peut-être sûrement grimpé de grade plus vite que prévu. Mais... Bah ça, je peux pas dire, j'en sais rien peut-être. Oh, grimpé de grade, si. Après, je parle pas d'être patron, mais à mon avis, grimpé de grade de manière à pouvoir fabriquer les kits, à moi, je pense, un minimum. Quoi. C'est pas normal. Je sais pas. Parce que là. À quoi, ça me sert... non, mais à quoi ça me sert d'être mécano si je peux pas réparer un véhicule? Bah ouais, non, mais je sais. Allô, allô. Allô. Allô, la terre.